Bienvenue sur cette chaîne YouTube, merci de me retrouver pour ces lectures intuitives. Celle-ci sera pour les lions pour le mois d'août 2019. Toujours ces vidéos de méditation que je vais mettre en place pour ce mois d'août sur lesquelles je travaille et j'espère pouvoir partager avec vous dans ce mois d'août. Je ferai une vidéo explicative de ce que j'ai mis en place pour le mois d'août et de comment j'ai organisé les choses, comme ça ce sera plus simple, ça m'évitera de répéter à chaque vidéo. Je la posterai et la mettrai en lien, vous pourrez directement cliquer dessus. Donc l'emplacement des cartes, ici vous avez les énergies qui vous occupent pour ce mois d'août 2019. Ici vos interactions avec cette énergie, la même chose pour les énergies qui viennent de l'extérieur, ça peut être des énergies qui viennent de personnes, mais aussi de la vie en général, des événements du quotidien, vos interactions avec cette énergie. Et ici, des potentiels possibles pour ce mois d'août. Voilà, alors au dos du tarot, vous avez la deux de bâton. Et ici, 5 de coupe, 5 de... d'épée, la justice, le jugement, 9 de bâton et la papesse. Ok, alors on commence avec le 5 de coupe. Il y a peut-être une idée de souveraineté, je sais pas, de quelque chose d'une célébration, peut-être suite à un effort accompli, quelque chose comme une récompense, comme si vous trôniez un peu pendant ce mois d'août, il y a une espèce de contentement, une idée de contentement, comme si vous aviez une position un peu privilégiée, c'est-à-dire que vous pouviez voir les choses de haut. Ça ne veut pas dire que vous prenez les choses de haut et vous êtes hautain, pas du tout. C'est plutôt une élévation dans le sens où vous êtes récompensé pour quelque chose que vous avez fait et que vous accueillez en fait, quelque chose qui vous revient de droit. Comme si vous étiez mis, il y avait une énergie dans laquelle vous vous sentiez favorisé ou vous étiez mis dans une position favorable. Et où c'était complètement mérité en fait. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à un effort ou à quelque chose comme ça, il y a une idée de célébration pour ceux qui signent des nouveaux contrats, pour ceux qui arrivent à l'ouverture de quelque chose, qui célèbrent un événement parce qu'il y a une certaine réussite. C'est un peu cette idée-là pour le mois d'août. Il y a une idée de trôner un peu comme ça et d'être... d'être le roi en fait, d'être le roi ou d'être la reine de ce que vous avez accompli, mais la reine de votre vie, le roi de votre vie. C'est une idée comme ça de... Alors peut-être ce serait bien si je mettais mon téléphone sur silencieux. Voilà ce qui est fait, une idée de... d'être un peu au-dessus, d'être un peu sur votre petit nuage, parce que vous avez accompli quelque chose et que la vie vous le renvoie. Il y a quelque chose qui vient en retour et qui vous récompense de ce que vous avez accompli. Donc c'est un peu cette énergie-là de d'être bien à votre place parmi les vôtres. Comme si c'était l'évidence d'être à cette place et comme si ça ne pouvait pas être autrement puisque vous avez accompli tout ce qu'il fallait pour arriver à ce point-là en fait. Dessous dans les interactions, il y a le jugement, la carte du jugement avec donc l'appel divin, on voit cette trompette que l'ange est prêt à souffler, cette échelle que vous êtes prêt à monter. C'est un peu comme une renaissance. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette célébration et ce côté un peu pacha, un peu on vous célèbre, on vous récompense, on vous dit que ce que vous faites c'est du beau boulot, etc. Parce que vous avez peut-être, vous êtes peut-être
mort est né en fait durant ce mois d'août ou peut-être juste avant ce mois d'août et pendant ce mois d'août, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a un retour à la vie, il y a un retour à l'existence, un retour à ce qui doit être et il y a une écoute. Il y a quelque chose d'intuitif aussi dans cette carte parce il y a l'idée d'écouter en fait sa guidance, d'écouter sa voix intérieure pour répondre à un appel. Peut-être même qu'il y a un côté vocation pour certaines personnes et que donc comme c'est une vocation, il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose d'évident. C'est un peu ce que je sens, il y a quelque chose d'évident. C'est pour ça que je vous parle pas d'orgueil du côté négatif du fait d'être souverain, c'est comme si c'était évident. C'est un peu ce que j'ai l'impression que vous allez ressentir pendant ce mois d'août. C'est comme si c'était la place que vous deviez occuper, non pas parce qu'elle vous revient, parce que vous l'avez exigée et que voilà, vous êtes telle personne, donc ça vous revient. Non, c'est parce que c'est dans le dans le dans le c'est dans le comment on dit? C'est dans pas dans la force des choses, c'est dans la. Ah bien, 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 bien. C'est dans la suite logique des choses, je vais dire ça, que ça vous revienne, que ce soit quelque chose qui se passe pour vous en fait. C'est comme si voilà, toutes vos planètes étaient alignées et que voilà, c'était l'heure de votre entrée en scène. On dirait que tout est à sa place. Une idée de souveraineté. De votre souveraineté qui est assumée et qui est reconnue et qui est vécue de la manière la plus simple, humble possible. C'est ça aussi qui est un, qui est que je, qui a, il y a cette idée-là de quelque chose peut-être de gros, peut-être une grosse promotion, imaginez un exemple, et que vous, comme si vous n'étiez pas surpris que cette promotion vous soit proposée ou vous accordée. Et qu'en même temps, ça vous fascine, mais que vous soyez aussi très humble par rapport à ça. C'est un peu les deux, comme si c'était évident, mais en même temps, il y a un remerciement, une gratitude par rapport à ça. Donc il y a peut-être aussi, en interaction avec cette célébration et ce moment de contentement, il y a cette idée de. D'être à l'écoute de ça, de ce qui renaît en vous, de ce qui vibre, de ce qui reprend vie, de ce que ça vous fait, comme je dis tout le temps. C'est certainement cette renaissance qui entraîne cette célébration, en fait, cette idée de contentement. C'est ce que vous arrivez à faire, c'est cet appel auquel vous répondez et qui vous correspond pleinement. Vous êtes dans quelque chose qui vous va. Sur les potentiels possibles, il y a la 5 de. Il y a le 5 d'épée. Peut-être qu'il y a une idée d'énormément de contact avec les autres, avec l'extérieur. Et que c'est un peu comme ça que vous vous rendez compte de votre propre individualité. Comme si vous vous acheminiez. Vers votre singularité, comme si c'est quelque chose que vous n'aviez pas toujours su qualifier, et que là, en fait, votre singularité vous sert à quelque chose. Il y a comme une prise de conscience de votre originalité, de votre authenticité, de quelque chose d'intérieur qui vous sert et qui est mis à l'honneur. Comme si. Ça servait en fait, par exemple, que vous fassiez 2,50 m, ça vous a toujours desservi. Et là, en fait, principalement à ce moment-là, ben, ça vous sert. C'est ça un peu l'idée. Et y a comme une idée de guérison avec cette carte du jugement pour certains d'entre vous, pour certains lions. Il y a comme une idée de guérison par rapport à, par rapport à une manière de voir les choses qui était différente. Qui là, avec ce que vous allez entreprendre, va être complètement à sa place en fait. Ça me fait penser à plein de films, plein d'idées comme ça, ou de livres que j'ai lus, où le héros est un peu mis à l'écart parce il est très différent. Et d'un coup, ce personnage est. Il y a une porte qui s'ouvre et ce personnage se rend compte que cette différence en fait est un atout.
ou étaient présentes pour arriver à un certain but. Cette différence a fait que la personnalité s'est forgée d'une certaine manière, et cette personnalité est quelque chose que vous avez acquis en passant par un certain chemin, mais ce que vous, le résultat, c'est ça qui compte aujourd'hui, et c'est ça qui fait que vous accédez à ce jugement et à cette célébration, ce fait d'être un peu souverain. Il y a un peu une idée comme ça pour vous les lions. Comme si vous étiez un peu l'héroïne d'un roman et que après mille et mille, mille et mille idées reçues sur ce que vous êtes finalement est embrassé et récompensé, surtout par vous. Même si vous découvriez, ah tiens, effectivement, cette qualité que j'ai, ben, me sert aujourd'hui. Et pourtant, ça a pu être un défaut qu'on m'a beaucoup, sur lequel on a beaucoup mis le doigt dessus. C'est un peu cette idée-là. Dessous, il y a le 9 d'épée avec cette idée qu'il y a quelque chose qui vous pousse, comme si vous étiez la balle d'un flipper et que la tirette, là, vous n'étiez plus maître en fait, que la tirette qui va s'abattre sur vous va vous propulser en avant et vous n'aurez d'autre choix que d'aller de l'avant. Donc forcément, il y aura tout un chemin avec, ben, on connaît le flipper, mais cette énergie qui vous pousse de l'avant, elle vient de cette tirette. Et cette tirette, c'est peut-être ces choses du passé sur lesquelles vous avez été peut-être déçu, sur les espoirs que vous aviez fondés qui ont peut-être été déçus. Mais à ce moment-là, vous ne vous rendiez pas compte peut-être du potentiel que vous étiez en train d'amasser à côté de ces déceptions. À la déception s'ajoutait en parallèle et un inconscient, une force et une manière de forger votre être qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est récompensé, c'est ça que vous célébrez. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça, y a une idée vraiment comme ça, que l'adversité vous a forgé une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, cette personnalité est reconnue ou appréciée pour ce qu'elle est. Sur les potentiels possibles, il y a la justice. Alors la justice, ça peut être là dans votre tirage, une honnêteté vis-à-vis de vous qui est peut-être importante à vos yeux, un besoin de vous sonder, d'être toujours attentif à ce qui est important pour vous, comme un fil conducteur. Peut-être que cette chose qui vient vers vous, cet événement est tellement gros et tellement énorme et vous surprend peut-être un peu que du coup vous avez ce besoin de rester au contact de ce fil de conducteur, un peu comme une rambarde de sécurité que vous tenez comme ça de votre main et ce besoin d'être face à vous, de vous inspecter, de vous. Un peu comme si vous vous surveilliez. Et une idée aussi de valeur à garder à l'esprit. Peut-être que vous voulez garder à l'esprit de vos valeurs. Comme si vous vouliez rester vraiment face à vous-même, ne pas vous détourner de votre nature profonde, de peut-être de choses comme votre innocence, comme votre naïveté, ce genre de choses en fait, qui sont, je prends ça comme exemple parce que ce sont des choses qui sont fragiles. Votre confiance en l'autre aussi. De rester proche de votre intégrité. C'est le mot qui vous va. De votre intégrité, de votre rigueur, de votre exigence. C'est ça en fait que c'est. Comment je lirais votre justice au niveau des potentiels possibles. Et comme cette chose qui arrive, et vous voulez vous cramponner à ça. Et c'est un peu aussi comme si vous aviez cette capacité à faire face en fait à ce qui arrive. Comme si vous aviez les épaules pour faire face à cette vocation, à cette royauté, j'ai envie de dire. Ce mot va bien pour ce qui se passe. Vous aviez les épaules que vous étiez prêt, vous étiez face, vous étiez dans cette position de la justice face à ce qui arrive. Et peut-être aussi que ce sera important de trouver l'équilibre entre ce que. D'où ce besoin de se cramponner en fait. Peut-être parce que vous aurez besoin de trouver l'équilibre entre ce qui est
important pour vous, le chemin que vous voulez continuer à suivre, donc votre intégrité, et ce que les autres vous demandent. Il y a comme une balance à trouver entre ces deux choses-là. Un équilibre à trouver pour que vous puissiez vous respecter. Il y a comme cette idée de... Comme cette idée de respecter ce que vous voulez, respecter votre divin, votre voix intérieure, et en même temps avancer avec les autres, avancer avec ce qu'on vous propose. Il y a peut-être une idée comme ça de d'équilibre à trouver, de mise au point à trouver pour vous. Ensuite, dessous, dans les interactions avec ces potentiels possibles, il y a la papesse. Donc, la papesse, c'est un peu cette déesse de la nuit. Elle a sur la carte comme des oreilles de chauve-souris en fait. Elles sont de la nuit. Les chauves-souris sont pas. Elles renvoient d'ultrasons, je crois bien, de sons et du coup qu'ils leur reviennent à leurs oreilles dans la nuit. Elles voient la nuit. Cette papesse, elle voit la nuit. Grâce à ses oreilles, elle capte la nuit de l'inconscient en fait, la nuit du subconscient. Et on vous parle de ça en fait. Comme si elle avait un filet pour décrypter, pour lire ce qui est dans ce livre, lire ce qui est caché dans la nuit, dans l'ombre. Il y a comme une idée de... Il y a comme une idée de dualité avec la carte de la papesse et aussi avec la carte de la justice juste au-dessus. Il y a comme cette idée-là, comme s'il y avait besoin de vivre cette naissance en fait, cette renaissance, de l'accepter, de vivre tout ce qui arrive comme quelque chose qui ne va pas vous perdre en fait, comme quelque chose qui ne va pas vous égarer de votre chemin et de la personne que vous étiez. C'est comme si c'était important pour vous de rester intègre, de rester la personne que vous êtes aujourd'hui, avant peut-être de signer ce contrat, avant peut-être de prendre une décision importante pour vous, parce qu'on vous a fait une proposition ou que vous avez envie d'aller vers quelque chose dans votre vie, un changement. Il y a une renaissance, c'est pour ça que je dis changement, il y a cette idée de rester proche de qui vous êtes. Donc il y a peut-être cette crainte de sombrer, de vous perdre. Donc peut-être que vous avez envie de vous accrocher à vous. Et la papesse vient là pour dire... un peu, lis le livre. Lis le livre de la connaissance de toi. C'est ce livre que vous avez dans l'énergie de la papesse sur vos genoux. Et tiens-toi face à ton inconscient, face à tes peurs. Si vous ne les ignorez pas, si vous ne les ignorez pas, si vous les laissez s'exprimer, elles feront moins peur. Dans l'ombre qui est projetée par la lumière la nuit, vous êtes tous baladés dans une ruelle un peu sombre avec juste un tout petit peu peut-être la lumière de la lune ou les éclairages d'un lampadaire. Et la moindre ombre projetée sur les murs ou sur le sol a une proportion à faire peur qui est décuplée. Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous. Des fois, il peut y avoir des sursauts parce qu'on a cru voir quelque chose et quand on s'approche, en fait, c'était pas ça. C'est un peu le message de la papesse par rapport à cette situation de la balance, peut-être de cette peur de sombrer, de ce besoin de trouver d'équilibre. L'équilibre, c'est sondez-vous, vous vous connaissez en fait, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, gardez ça en mémoire, tout ce qui s'est passé avant, ça a construit quelque chose. Il y a des bases en fait de votre personnalité qui sont là, même s'il y a des évolutions et des changements et des transformations et cette renaissance qui se fait. Vous êtes vous pouvez à tout moment, même dans le changement, vous connecter à l'être qui est à l'intérieur de vous. Cet être-là, il est mobile, il bouge, il est en équilibre, il cherche tout le temps à trouver sa place et c'est ça qu'il faut écouter en fait. C'est ça qu'il faut écouter. Si vous écoutez ça, très certainement, vous aurez moins peur puisque vous laisserez s'exprimer les doutes, les questionnements, etc. Peut-être que c'est le message de la papesse pour vous, de lire ce livre, de ne pas le laisser dans l'ombre et de ne pas le cadenasser. Écoutez-vous et s'il y a des choses dont vous avez peur, exprimez-les peut-être. Dites-les-vous, regardez-vous véritablement en face. Ne laissez pas l'ombre prendre le dessus sur vous parce qu'au final, c'est ce que je vous disais, l'ombre est bien moins effrayante quand elle est mise dans à la lumière de la justice, c'est-à-dire quand vous l'avez face à vous. Faites face à vos ombres.
Faites face à vos peurs, à vos doutes, aux choses que vous avez le peur, peur de devenir peut-être, ou peur de laisser vous échapper. Il n'y a rien qui vous échappe là si la papesse vous permet, l'énergie de la papesse vous permet de lire les choses. Pour finir, vous avez le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui parle dans votre tirage de votre capacité d'intuition. La papesse, c'est aussi ça. C'est l'énergie de vous relier à vous-même. Et il y a aussi le jugement. Et encore un 2. C'est comme si vous aviez la capacité. C'est exactement ce que dit la papesse, c'est que tout le monde a cette capacité à lire en soi. Sauf que vous voyez, elle ne lit pas le livre. Elle sait, mais elle ne sait pas qu'elle sait, la papesse. C'est un peu ce que vous êtes. C'est un peu cette énergie-là dans laquelle vous êtes, peut-être dans les prochains mois ou prochaines semaines du mois d'août. C'est vous savez que vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez en même temps. Vous savez que vous ne savez pas et vous savez que vous savez. Les deux sont très proches. Et il suffit juste de vous poser, de faire appel à votre intuition. Il semblerait que ce soit ça, que vous soyez, pour certains lions, très en contact à votre intuition. Donc, laissez-la vous parler, laissez-la vous guider, écoutez-la. Ou si, en tout cas, vous ne voulez pas la suivre du premier coup, juste laissez-la s'exprimer votre intuition. Et puis ensuite, vous pourrez juger et prendre votre positionnement de la justice et trancher. Mais soyez au contact de ça. C'est certainement ce que vous dit ce duo aussi. Vous vous écoutez et ensuite vous pouvez trancher. Vous tranchez en fonction de ce que vous écoutez dans votre inconscient ou dans ce que vous écoutez dans votre intuition. Et ensuite vous tranchez consciemment avec la justice. Voilà, alors je vais rajouter des cartes sur le tirage pour un approfondissement que vous pourrez suivre sur Vimeo pour ceux qui le souhaitent. Pour les autres, merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous remercie de vous abonner et de liker la vidéo, s'il vous plaît. Alors, ça a coupé. Je pensais que j'avais réglé ce souci. Apparemment pas. Donc, je disais que je remerciais ceux qui ont suivi le tirage jusqu'à maintenant et je vous remercie de liker et de vous abonner à la chaîne. Pour les autres qui veulent faire l'approfondissement de ce tirage pour les lions, on se retrouve donc sur Vimeo. Je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, je vais rajouter des cartes sur la papesse, sur peut-être ces choses dont il n'y a pas besoin d'avoir peur. Cavalier de denier. L'as de bâton. 5-2 d'épée. Ok. C'est un peu n'importe quoi là. Sur la justice. Pour voir l'honnêteté que vous voulez garder avec vous. Cette personne de qui vous voulez rester proche. La personne que vous êtes. Ok. L'ermite. Une autre. Cinq de bâton. Sur ce jugement et cette renaissance, cet événement qui arrive vers vous. 8 de bâton. C'est drôle, non? La justice encore. Hop. Une dernière. Pas rester 2 heures à brasser les cartes quand même. Et j'aimerais bien recouvrir aussi vos interactions avec les autres, en fait, avec ce 5 d'épée. Il y a le pape. Ok. 5 d'épée pour voir un peu 4 deniers ouais. Et décidément le pape qui voulait vraiment sortir. Ok. Et le diable en dos de deck. Très bien, merci à ceux qui ont suivi la vidéo encore une fois. Et pour les autres, on se retrouve sur Vimeo pour la suite de l'interprétation de ce tirage. À tout de suite.